Laetitia Hallyday et Hélène Darroze, les deux amies plus proches que jamais. Que ce soit en France ou à l'étranger, tous les regards étaient rivés sur le stade Loujniki à Moscou pour la finale de la Coupe du Monde de football. Même à Saint-Barth, les supporters étaient au rendez-vous. Parmi eux, Laetitia Hallyday et Hélène Darroze en vacances sur l'île où repose désormais l'interprète de Je te promets, décédée le 6 décembre dernier des suites d'un cancer du poumon. Dimanche 15 juillet, les deux amis ont souhaité se retrouver pour soutenir les Bleus. Et comme en témoigne le cliché posté par la chef étoilée, elles avaient tout prévu, robe aux couleurs de la France pour Laetitia Hallyday et maquillage sur le visage pour Hélène Darroze. Dès la victoire des Bleus face à la Croatie, 4-2, Hélène Darroze a partagé ce cliché pour remercier l'équipe de France Best Supporter Team EV, a-t-elle écrit. Bravo les Bleus. Inoubliable. Merci. Si Laetitia Hallyday et Hélène Darroze semblent complices, ce n'est pas un hasard. Depuis le décès de Johnny Hallyday, les deux femmes sont inséparables. La célèbre membre du jury de l'émission Top Chef n'a jamais caché avoir eu un coup de xure amical pour l'ancien mannequin. On s'est rencontrés par hasard il y a une quinzaine d'années et ça a été une évidence entre nous dès le début, avait-elle ainsi confié le 8 février dernier dans les colonnes de TV Mag. Comme il existe des coups de foudre en amour, il y en a aussi en amitié.